Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à monter les mailles. C'est la base du tricot. Pour cela, il vous faudra de la laine. Moi, j'ai pris une laine 3,5, 4. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle laine pour vous entraîner. Voilà, j'ai pris cette laine-là, un peu chinée. J'ai pris des aiguilles 3,5. Et nous allons commencer. Donc moi je monte les mailles en tricotant. Donc je fais une boucle, je rattrape en dessous, ce qui me fait un petit nœud, et je le passe sur l'aiguille. C'est pour vous apprendre plus facilement. Hein. On prend l'autre aiguille. Alors on tient les aiguilles comme on peut, chacun a sa façon de monter les mailles et de prendre les aiguilles comme ça lui va bien. Moi je les prends d'une certaine façon, d'autres d'une autre. On pique dans la maille là, on prend le fil, on l'enroule sur l'aiguille droite sans rien lâcher. Avec celle-là, vous attrapez le fil, vous tirez un petit peu parce qu'au début vous aurez plus de mal, et on vient prendre une boucle, on lâche et on recommence. On pique dans la maille, on prend le fil, on le passe autour de l'aiguille droite. Avec l'aiguille droite, on pousse un peu, on récupère la maille et on la passe sur celui-là, sur la gauche. On lâche et on recommence. On prend la maille, on passe le fil sur l'aiguille droite, on pousse, on récupère la maille et on la passe sur l'aiguille gauche. Et on continue. On prend la maille, le fil sur l'aiguille droite, on pousse, on récupère la maille et on la passe sur l'aiguille gauche et on continue. Avec ce système, vous gagnez un rond normalement. Et je trouve que c'est mieux de monter les mailles comme ça. Moi, je les monte depuis que je suis petite, comme ça. Et vous gagnez souvent un rond et je trouve que c'est plus joli. Après, chacun sa façon de faire. On recommence. On pique dans la maille. On prend le fil. On le passe autour de votre aiguille droite. Non, pas là. Hein, entre les deux. Hein. On attrape la maille. Et on la passe ici. J'espère que vous voyez bien. Et on recommence. Aiguille droite, on passe la maille, on récupère la maille et on passe sur l'autre aiguille. Et là vous pouvez faire ça à monter des mailles. Alors après vous montez, hop, facilement, hop, hop, et après vous faites le nombre voulu de mailles. Ça vous donne 100.